Enfin, les trois nominations pour le meilleur décor sont... Guy-Claude François pour La Passion Béatrice. Willy Holt pour Au revoir les enfants. Et quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Qui a décidé de faire l'acteur, Jean-Pierre Kuitz-Velko pour Ennemi Intime. Et le gagnant est Willy Holt pour Au revoir les enfants. J'ai une très mauvaise diction, alors... C'est long. Je vous... Vous voulez dire tout ça? Oui. Je vais mettre mes lunettes. Merci. Oh ben non! Merci. Vous avez eu peur, hein? Chacun son tour. Je vais quand même vous faire une confidence. Une confidence qui va vous détonner et même vous stupéfier. Je suis très content d'avoir gagné. Je suis très content parce que ça... mes enfants vont être très fiers. Les producteurs vont peut-être m'augmenter. Les commerçants de mon quartier vont être très fiers, ils vont sûrement m'augmenter. Et les élèves de l'école du cinéma de la Fénice vont commencer à me prendre au sérieux. Sauf s'ils regardent l'émission ce soir. Cela dit, contrairement à la coutume, je ne vais pas partager, je vais le garder. Ah, mais je ne parle rien, moi. Je vais le mettre sur ma cheminée. Et si la cheminée résiste au poids, dans quelques années, quand je serai bien vieux, le soir à la chandelle, je penserai à vous qui avez été si gentil avec moi ce soir. Même si je vous soupçonne d'avoir beaucoup plus voté pour le film que pour les décorateurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais vous demander vos applaudissements, qui vont sûrement être très nourris, de les donner à mes camarades nommés, et même à ceux qui auraient dû l'être. Je pense particulièrement à mon talentueux ami et Bernard Evin. Voilà. Je voudrais aussi dire quelques mots aux gens qui nous regardent dans la petite boîte. Vous savez, dans la petite boîte chez eux, il paraît que le cinéma va mal. C'est un secret pour personne. Alors, en vérité, je vous le dis, allez au cinéma. Vous allez voir, c'est formidable. C'est comme à la télévision, mais en beaucoup plus grand. Il n'y a pas de bruit de fourchette, il n'y a pas d'enfant qui pleure, il n'y a pas le téléphone qui sonne. Il y a de la pub avant et après, mais jamais pendant. Bref, vous voyez les films comme ils méritent d'être vus. Et si, par hasard, vous allez au cinéma, vous voyez un film qui vous plaît, vous le renvoyez à la télévision, vous pouvez toujours le regarder en petits morceaux. Et s'il ne vous plaît pas, vous avez une soirée de libre, allez au cinéma.